Yo les gens, se retrouve aujourd'hui pour ce qui va peut-être être le dernier épisode, j'en sais rien du tout, mais bon, il y a de fortes chances, ou l'avant-dernier, j'en sais rien. Donc j'enchaîne tous les épisodes, hein, vous savez. Là, mon cœur, il bat à 10 000. J'ai tellement peur de ce qui va se passer, j'en ai des frissons, c'est horrible, c'est pas bien. En fait, j'étais tellement pressé de retrouver Lee que là, j'ai même plus envie d'y retourner, parce que j'ai pas envie de voir ce qui va se passer. Ah là 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 là. On cherche ailleurs. J'ai tellement peur de ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer, putain. Bon, attrape l'échelle. Prêt? On a le choix de laisser Ellie en vie ou de laisser Abby en vie. Faites un truc comme ça, mais je crois pas que ça va être ça. En fait, ce qui est horrible, c'est que si tu te mets à la place de Abby, c'est normal que tu butes Joël et que tu butes Ellie. Mais nous, de base, on est dans l'histoire de Ellie et Joël, c'est ça qui fait que... Ah, putain, c'est horrible, c'est horrible. Comment ça va se terminer, quoi? Attention, reste près de moi. Comment ça va se terminer? Je vous jure, j'ai une boule au ventre. La même que j'avais quand j'ai débuté le jeu. C'est horrible. Foiré de Jesse. Tu crois que je sais pas reconnaître de l'or? Attends de voir ça, mon petit salaud. Tu vas adorer. La main en l'air. Recule tout doucement. Recule, putain de merde! Une bête crénerie. Ne te retourne pas. Garde-le bien en joue. Mets-toi à terre. Tu vas me tuer comme une lâche. Putain d'enfoiré. Jesse, lève-toi. Les mains en l'air ou je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie. Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! N'écoute pas, je te dis! Toi, tu la fermes! Allez! D'accord. Arrête! Stop! Jette ton arme! Jette ton arme! Merde. Non. Je sais pourquoi t'as tué Joël. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat. Attends. Tommy. Putain de sa mère. Putain de sa mère. Putain Tommy. Putain de merde. Putain. Surveille les portes, la laisse pas partir. Putain, mais vous faites chier, Naughty Dog, vous faites chier. Putain. T'as pas le droit de t'enfuir. Je fais semblant de tirer dessus. Ah putain, je suis pas bien, j'ai envie de chialer sa mère. Mais merde hein. Oh putain.
Je suis pas bien, non, me dis pas que je vais chialer. Je vous jure, j'ai envie de chialer là, c'est horrible. C'est horrible. Non, j'ai pas envie de tuer Ellie, moi. On va devoir tuer Ellie. On va devoir tuer Ellie. On va devoir la tuer. Montre-toi. Abby. Mais non, mais non. Faut que je la chope, hein, c'est juste ça. Oh, t'as qu'est-ce qu'ils nous font, sérieux, c'est des enfoirés, putain. Infecté ou pas, non? T'es qu'une merde! Tu pourras pas t'échapper! T'es mort! Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était bien un carré, hein, qu'il fallait faire là. Putain, mais c'est horrible, hein, ce qu'ils font là. Putain, on va devoir. On va. Ah! J'ai pas envie de le faire. Je suis mort. Ah ouais, mais non. Dans ta tête, Abby, dans ta tête. Je veux... C'est ça qui doit se passer, pas l'inverse, bordel. Ah, putain, j'ai une boule au ventre. C'est horrible, c'est horrible. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là. Putain, mais vous êtes des malades. Cœur y bat à 10 000. Est-ce que je peux lui jeter une brique pour la désorienter ou pas? Si je peux faire ça, c'est mieux, hein, que de à chaque fois essayer de faire l'attaque éclair là. Je le fais, hein, mais ça me fait trop chier. Putain, ça me fait chier de faire ce que je suis en train de faire.
Ah, c'était une bombe! Putain, j'y ai pas pensé, j'ai même pas. Je regardais même pas le sol! Putain, Ellie, arrête! Ah! Attends, continue, t'as raison, putain! Ah oui, il faut pas que je fasse de bruit, excusez-moi. C'est bien, Ellie, t'es un vrai boss. C'est bien, c'est très très bien, Ellie, t'es trop forte. Comme... Ouais, mais là, il n'y a pas de bombe là par terre, on est d'accord? Là, on n'a pas mis. En fait, faut que je profite qu'elle mette des bombes. Pour tenter de l'attaquer. En vrai, si je lui mets un coup de... Je lui jette la brique là. T'es où Ellie putain, t'es où? Putain, c'est horrible. C'est horrible ce qu'ils ont fait Naughty Dog, c'est horrible. Mais non! Donc comme ça on peut pas l'avoir. Très bien, on peut pas l'avoir comme ça. Tant mieux que ce soit galère comme ça, tant mieux, tant mieux. En vrai, faudrait que j'aille là, sur la gauche là. Ici. Genre là, si j'y vais là. Ah non, tu peux pas, d'accord. Ok, je tente, ça va, ok, faut juste faire l'attaque éclair, mais en même temps, j'ai pas envie de le faire, putain. Dans certains cas, la vitre est votre seule option, bah tu m'étonnes, mon pote. Non, en vrai, il faudrait que je jette un truc, que Ellie, elle y va, que je la chope. Je la chope, quoi. Putain, elle est juste là quoi. Je viens te chercher. Ouais. Tac, son nez pété, comment elle est vénère. Pourquoi? Non, là, je suis pas d'accord, je suis quand même dans son bac, non? Ouais, je sais qu'il faut fallait que je sois vraiment derrière de chez derrière, mais je sais pas. Ouais. Y'a pas de bombe là. Ah ok. Mais je peux pas l'étourdir et la choper en vrai. Ce serait trop simple.
elle m'a grillé là. Parce qu'en fait, faudrait que j'arrive. Non, faut qu'elle regarde d'un côté. Faut que j'arrive avec mes briques et tout machin à la faire regarder d'un côté. Désolé, je galère, mais en même temps, dans ma tête, j'ai tellement pas envie de le faire. C'est incroyable ce qu'ils ont fait là. C'est n'importe quoi. Vous êtes des malades, Naughty Dog, je vous le dis. Vous êtes des malades. Ouais. Il dit en mode méchant comme ça, c'est stylé aussi, hein, en vrai. C'est une putain de blague. Ah, j'ai vu que t'avais mis une bombe, Ellie, j'ai vu. Oh non, j'étais loin. Mais non, mais non, putain. Mais merde, putain. Fais chier. Ah, putain, Ellie. Ah, elle tend, elle est où? Elle est là. Du coup, la bombe, elle a pété, quoi. Putain, j'y arrive pas. Comment je galère. Elle est où? Elle est là-bas. Ok. Bah comment tu veux que je me sorte de ça en vrai? Je peux pas me sortir de ça. Je crois qu'elle a acheté un molotov, elle m'a mis une flèche et derrière elle a son pompe. Ouais, puis je dois retirer la flèche. Ouais, bien sûr, ouais. T'as là, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas là. C'est compliqué. On n'est pas sur du Ellie et David où c'était simple. Non. Quand même.
Attends, Dina, elle est morte là, non? Quand même beaucoup de sang. Ellie, elle est morte, il y a quoi? Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bébé Jessie. Viens là. Allez. L'anime du bébé. Papa, papa, papa. C'est bon. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons là, mais de tout ce qui vient de se passer, de l'animation du bébé, je suis désolé, elle est magnifique. Je vous l'avais dit au tout début du jeu quand on voyait la maman ou le papa marcher avec son bébé. Non, mais attendez, regardez-moi cette animation là. Je vous jure, c'est incroyable. Par contre, j'ai des frissons là, je suis pas bien. Ça va pas se finir comme ça, il va avoir un truc, il va avoir une connerie. Alors, un établi, je vais améliorer le bébé. Ah, laissez-moi rire un petit peu, s'il vous plaît. Tu les aimes bien, on dirait. T'as vu leur coiffure. T'en fais voir, ton nez, Ellie, est pas défoncé depuis? Ouais, ça va, tu t'es remise. Dina, je suis dans la cuisine. Ah, attends, je vais fouiller d'abord. C'est plus fort que Wham. Yes. Dina et... Dis coucou à Tati Talia. Coucou, Tati Talia. Ça sert, d'accord. C'était mignon. Coucou, Tati Talia. C'est vraiment que je suis ému, là. C'est trop bizarre, hein. Attends, c'est pas fini, parce que peut-être derrière il va se passer un sale truc encore et... C'est qui ce beau gosse, hein? Alors, l'animation du bébé, elle est archi folle. Vraiment, elle est archi folle. Attends, on va aller voir maman, elle est dans la cuisine. Une note. Merci pour ta lettre et la photo. Gigi a tellement grandi, donc Jesse Junior, je suppose. Il a le même sourire que Jesse, je te souhaite bonne chance. Il tient de son père. J'ai hâte de vous rendre visite. Mon dos refait des siennes, mais ça commence à aller mieux. Le docteur pense même quand même que j'ai encore besoin de repos pendant quelques semaines. Dès que ça ira, je viendrai vous voir. J'espère que tes parents sont contents. Je veux dire, Jesse, ne t'en voudrais pas pour ce qui est arrivé. Nous non plus, nous t'aimons. Tu fais partie de notre famille. Portez-vous bien. Toi, Ellie, Jesse Junior serait toujours les bienvenus à Jackson. Si vous changez d'avis, je t'embrasse. Robin. Ah, coucou, vous deux. Que... Ah, un peu de musique. Croquette style, les gars. Ecstasy. Oh, j'ai des frissons. Ah, t'aimes le boogie. Ah non, ou bien ouais, c'est l'autre, ok. Il y a plusieurs zik. Enfin, plusieurs titres. Ah, trop bien. J'adore cette chanson. Il lui faut pas grand chose à ta maman. Je suis avec toi, donc je suis pas très difficile. Crooked Steel, mon pote. Ah, la petite photo là. Joël et Ellie. Ça boit du bourbon? Du whisky? Très bien, les gonzes. Très très bien. Excellent, 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 excellent. J'adore ce jeu. Padala, padala, tata. Hey Dina, ça va mieux? Ok. Regarde, c'est déhanché. Tu veux dire ça? Ouais. Oh, oh, regarde maman. Hmm? Ouh. Oh. Oh, salut toi. Ça me
fait de les faire, moi. T'es bizarre. Je sais, oui. Ok. Ok, arrête de me distraire. Oui, madame. Allez, c'est bon. Va-t'en. Ok. N'empêche, quand on y repense... C'est au lit dehors. Tu veux bien aller le chercher ? Ouais, bien sûr. Quand on y repense, les enfants... Parce que là, voilà, en fait, ils ont réussi... Je crois qu'il est sur le tracteur. Ils ont réussi à nous faire passer d'un camp à l'autre. De dire que les personnes sont normales d'un camp à l'autre. Que tout le monde peut mourir, que tout le monde est survivant, que personne n'est invincible. Donc là, on a quand même vu Jesse... Tommy mourir comme ça, bam bam, d'une balle chacun. Tommy, c'est vraiment, il est mort comme ça, tu vois. Joël, il est mort comme un gars que t'aurais pu tuer toi-même. C'est-à-dire avec le club de golf. Voilà, on aurait pu le faire avec Ellie sur un autre personnage. Mais ça nous a choqué parce qu'on les connaissait, ces personnages. C'est ça qui est ouf. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est refaire passer tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que Ellie, elle est pas invincible, hein. Ellie, elle aurait largement pu crever, Dina, elle aurait pu se faire égorger, tout était largement possible, en fait. Et non, en fait, ouais, bref, on aura le temps d'en reparler, hein. C'est... Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait, sérieux. Mais attendez, c'est pas fini, là, je dis ça, mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Par où on sort, là? Eh bien, on court, on va passer là-bas. Youhou. Tu veux aller prendre l'air? Petit screenshot là? Carrément, petit screenshot. C'est beau, hein. Oh, il y a des noms gravés là-dessus, peut-être. Ben oui. D plus E. On va te rajouter là-dessus. Par contre, faut pas, genre là, elle se prenne une balle ou quoi. Tu peux pas nous... Non, faites pas ça. Parce que là, en vrai, on est carrément... à l'affût de tout le monde, quoi, non? Le bébé, quoi. Jesse Junior. Bon, elle avait parlé du tracteur. Oh, attends. J'ai envie de corps de fouiller, là. Si vraiment... Ouais, là, c'est la fin du jeu. Je cherche pas. Putain, j'ai des frissons. Ah, de l'autre côté. Allez, viens, Jesse Junior. Hey, Oli, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, petit doudou. Ah, et fin. Comme mon fils dit. Fin. Et fin. Attends, bonhomme. Ouais, voilà. C'est joli, non? Eh, tu sais quoi? Un jour, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Quand tes mains seront plus grandes. Et que t'arrêteras de faire caca dans tes couches. Ça fait rien. Tout le monde passe par là. C'est vrai. J'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter. J'aurai un tas d'histoires à te raconter. Quand tu seras plus grand. Beaucoup plus grand. Je sais même pas par où commencer. Ça va terminer comme ça pendant qu'elle parle, non? Oh putain, j'ai des frissons. Patate, patate, ma patate sur patte. Ma patate, mes pattes. Comme tu es grand. Ouais, c'est toi mon grand. J'ai pas envie de quitter. Pff,
J'ai des frissons partout, c'est incroyable. Allez, petit gars. On va aller voir maman. Par contre, j'espère que ça se termine bien, comme juste comme ça. Qu'il n'y ait pas un rebondissement à la fin, là je vais pas être bien. Non, il ferait pas ça, il ferait pas ça. Ils ont assez joué avec nos nerfs tout le long, il ferait pas ça. Je vais étendre le linge dehors. Bah attends, on t'accompagne. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Le petit potager là? Squash. Non, ça va. Non, il fait pas trop froid. Il n'y a pas de vent. T'inquiète, ça va. Je connais, t'inquiète. Encore? Tu peux me dire d'arrêter? Tu veux que j'arrête? Ok, ça suffit. Sérieusement. La musique. En fait, vous voyez là, c'est con, mais regardez par rapport à la musique, là, j'ai des frissons de ouf. Cette musique, je l'écoute dans ma bagnole. Je l'écoute sur mon phone, je l'ai dans ma playlist Spotify, je l'ai téléchargé. J'ai, voilà, vous voyez, toutes les musiques de The Last of Us qu'on a pu avoir depuis les trailers, tout ça, machin, j'ai tout pris comme vous, je pense. Je l'écoute souvent, ça fait, depuis quand qu'on a 2016, donc ça fait 4 ans que j'écoute toutes ces musiques, que j'attendais tout ça. Et là, en ayant cette musique-là, ça vient de me rappeler tout ce que j'ai pu imaginer. C'est con, hein, c'est une fraction de seconde. Tout ce que j'ai pu revoir, là, tout ce que j'ai pu imaginer sur le jeu. Je m'attendais même pas à tout ça. Je m'attendais même pas à tout ça. Je m'attendais même pas à ce que le jeu soit aussi bien. Je m'attendais même pas à ce que ce soit aussi vaste. Je m'attendais pas à ce que le scénario soit aussi béton. J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais envie de beaucoup de choses. Et vraiment, je suis pas déçu du jeu. Clairement, je suis pas déçu du jeu. C'est à chaud. Mais clairement, je suis pas déçu du jeu. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Tu pourras pas me dire que c'est un mauvais jeu. Et toutes les langues de pute, faut le dire, qui ont réussi à te dire que le jeu était mauvais, mais je vous comprends pas. En étant fan de The Last of Us, on va dire que je suis pas objectif, mais en vrai de vrai, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Rien que là, rien qu'ici, là, c'est beau, il y a... Rien que là, la petite scène, c'est émouvant. L'animation du bébé, elle est folle. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs dans ce jeu qui font qu'il est exceptionnel. Vraiment qu'il est exceptionnel. Et attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais le jeu, il est incroyable. Tu veux le caresser? Là. Voilà, c'est bon. Oh, oh, oh. Doucement, doucement, doucement. Comme ça. Et voilà. Oui. Coucou. Hey. Je peux le prendre. Tu peux mettre les moutons dans la grange? Non, c'est bon, je peux m'occuper des deux. Vraiment? Ouais. Il faut que tu te reposes. D'accord, tiens. Voilà. Allez. Voilà, t'es bien là. Tarde pas trop, hein. Il doit prendre un bain. T'inquiète, je suis une pro du troupeau. Ok, dernier petit truc, faire rentrer les... Eh oh, les moutons! On se casse! Servi dans la grange! Allez, on rentre! Allez, Locon, allez! Dans la grange! Allez les loulous! Ah, c'est trop chiant ça! Je sais plus dans quel jeu il fallait faire ça aussi. Allez, dépêche-toi! En fait, faut les mettre à distance comme ça là, pour les faire rentrer là. Voilà là! Allez, allez, oh, allez. T'as vu un peu tous ces moutons? Là. Il y en a combien à ton avis? On va les compter. 1,
2. Bon, je m'endors. Alors on arrête là. Allez les gars, allez. Gêne. Allez, hop, c'est l'heure de rentrer. Todd. Bon, c'est quand tu veux, hein. Allez les loulous. Oh, ça fait beaucoup trop de moutons, ça. Hé, hey, qu'est-ce que tu dirais d'en manger un ou deux pour le goûter? Ça va, t'as pas froid? Plus que quelques-uns. J'ai une devinette. Quel est l'animal le plus ramollo dans une ferme? Le mouton. Tu verras, quand tu seras plus grand, tu seras complètement fan de mes blagues. Bien joué, JJ. On a réussi. Bah ouais, je fouille encore. Oh là 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 là. J'ai des frissons! Allez, à demain les petits potes. Hey, comment t'es sorti? Ouais, viens mon petit. Allez petit gars. Oh mais non. Non, j'ai dit non, j'ai dit non. Allez, sois gentil. Tu veux me dire que c'est pas la fin là? J'étais en train de... Je ne sais rien. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Hey. Et ben... C'est cool. Tu sais... On commençait à s'ennuyer ici. Ça s'arrête, c'est incroyable. Ok. Bon, du coup, l'épisode est archi long. Je m'en fous. Je m'en fous. On va chasser. Allez. Ah non, on a déjà chassé. En fait, je me dirige vers la fin, c'est horrible. J'ai envie que de voir la fin, mais en même temps, j'ai pas envie de voir la fin. Hey, t'étais où? Je sais. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Qui est là? Oh, entre, tu verras. Tommy? Non, il est mort, hein.
sacrée poigne, mon bonhomme. Oh putain, il est pas mort. Salut, Tommy. Oh, te voilà. Attends, je vais le prendre. Viens là, mon grand. Voilà. Je t'aide. Non, non, ça va, merci. Salut. Salut. Content de te voir. Moi aussi. Eh, il pèse son poids. Je sais, mais c'est rien que du muscle. Ça va en ville? Et Maria? Ah, elle va bien. On a... On a décidé de faire un break. Je suis désolée. Non. On en a beaucoup discuté. C'est ce qu'on voulait tous les deux. Ok. Assieds-toi. J'ai un truc à te montrer. Ça fait maintenant plusieurs mois que je mène mon enquête. Et j'ai trouvé un type qui a pu me renseigner. Il m'a parlé d'une femme qu'il aurait rencontrée quand il traversait la Californie. D'après lui, c'était une armoire à glace. Elle voyageait avec un gosse qui avait des cicatrices sur les joues. Il m'a dit qu'il vivait sur la côte, à bord d'un voilier. Juste ici. C'est forcément elle. On en a fini avec tout ça. Non, faut arrêter là. D'accord. Je te comprends. C'est plus facile d'oublier. Maintenant que t'es bien installé ici, elle va le payer cher. Tommy. C'est ce que t'as dit quand on est rentré à Jackson. Tommy. Tu veux bien le prendre? Ouais. Tout va bien, tout va bien. Hé! Hey, tu nous fais quoi, là? Rien. Bordel, Tommy. Tu sais ce qu'on a traversé. Arrête ça. Elle me l'avait juré. J'en ai rien à foutre. Ouais, je sais. Mais c'est bien ça que je te reproche. Écoute-moi bien. Vas-y. Après, Abby, elle nous a épargné deux fois en vrai. Est-ce que ça sert à quelque chose d'y retourner, quoi? Peut-être on va y retourner en fait. Putain, fais chier, c'est pas fini. Non, mais non, attends, ce serait un délire là. Non, ce serait un délire si ça continue. Ce serait un délire. Arrête. Non, ça continue. Ça continue. Oh là là. Je fais quoi? Je continue? J'arrête l'épisode? C'est quoi le délire en fait là? Salut Sarah. Ellie, pardon, excusez-moi. Oh, c'était fait exprès quoi. Alors là, notre journal, il est blindé. En vrai, de vrai, moi, j'y retournerais pas si j'étais Ellie. Mais après, voilà...
Cette chanson là, début de chanson là. C'est pas Sean James qui le chante justement là, le gardien, je sais plus quoi, la gardienne. Peut-être j'ai dit n'importe quoi. Par contre, si on repart, ce serait une énorme connerie, Ellie. Non, fais pas ça. On m'a que là en bas, y a Abby qui vient nous tuer. Ouais, tout est resté ouvert, c'est possible, hein. Mais non! Pas ça. La gratte à 2300 euros. Ouais. Allez, une petite musique pour terminer. Ce serait beau. Je mets pause, désolé, je sais, ça gâche tout, mais je vais mettre les sous-titres, voir ce qu'elle dit. Activer les sous-titres, oui, allez. Ah merde! Ça c'était là. Attends. Ça c'était la fin du jeu en fait. Ça va pas être Jessie qui va venir nous voir forcément, mais. C'était la fin du jeu ça. Ah le délire. Vous connaissez déjà la fin du jeu. Là c'est Tommy qui va venir. Ah non c'est Jessie. Ah bah non du coup non, j'ai rien dit alors. J'ai rien dit. Je comprends plus rien. Je déteste ces soirées. Attendez, du coup, je renlève les sous-titres, si bien on connaît la scène. Voilà, c'est pas grave. Voilà. M'en parle pas. Ton vieux m'a passé un savon aujourd'hui. Il t'a dit quoi? J'ai eu droit à un serment sur les patrouilles. Faut pas aller là-bas non plus. En fait, il est comme ça chaque fois que tu vas sur le terrain. Ouais. J'adore là quand elle se mord la lèvre, l'animation. Bien s'amuser. Je parie que dans 2 semaines, vous ressortirez ensemble. Ça risque pas. Elle t'a parlé de moi? Là. Plutôt 1 semaine. Ellie! Salut! T'en as mis du temps. Mais je suis là, non? Dina? Jessie, viens. Vous couchez pas trop tard, hein, parce que demain, on se lève tôt. À vos ordres. T'es pas sympa. Arrête. Commence pas avec ça. Ok, j'ai une question très importante à te poser. Est-ce que je sens mauvais? Tu sens le garage. On dirait que t'as dormi dans une poubelle. Oh. Ah non, c'était ça, pardon. Ok. T'aimes ça? C'est dégueulasse. Ouais, t'aimes ça. Tous les mecs dans la salle sont en train de te regarder. Peut-être qu'ils te regardent.
Ça, je l'ai toujours dit, l'animation, elle est folle du baiser. Elle est archi folle. Hey ! Il y a des familles ici. Désolée. Désolée. Vous savez que tes gosses peuvent vous voir ? Ouais, heureusement que t'es là pour nous montrer l'exemple. Génial, il nous manquait plus que ça. Une gouine avec une grande gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire, Ellie ? Hey ! Ellie, arrête. Fous le camp d'ici. Je t'interdis de me toucher. Patate, Joël ! Ça suffit. Allez, viens, on va faire un tour. Et eux alors ? T'en occupe pas. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout va bien, Ellie. C'est quoi ton problème ? Il avait pas le droit. Parce que toi, si ? J'ai pas besoin de ton aide, Joël. D'accord. Par contre, ça peut pas se terminer comme ça, voilà. Mais c'est pas fini en fait! C'est pas fini! Voilà, la veste de Joël en plus. Non, Ellie, tu te barres pas quand même. Salut. Salut. Eh ben, ça fait longtemps qu'il avait pas fait une nuit complète. Il a eu une dure journée. Ouais. Il va bien. Allez, reviens te coucher. On reparle de tout ça demain, d'accord ? J'ai pas le choix, je dois y aller. Non, c'est faux. Tu dois rien à Tommy. J'arrive plus à dormir. Je mange plus, je suis pas comme toi, Dina. Quoi ? Tu t'imagines que c'est facile ? Si je tiens le coup, c'est uniquement pour lui et pour toi aussi. Je t'aime, Dina. Prouve-le. Reste. C'est impossible. Alors quoi, je suis censée rester ici et attendre sagement ton retour ? Passer des semaines, des mois, des années à me demander si t'es encore en vie. J'ai pas prévu de mourir. Ah ouais ? Bah va dire ça à Jessie. Ou à Joël. Attends, arrête, attends. Reste, je t'en supplie. On a une famille. Abby a pas le droit d'être plus importante que nous. Et ouais, reste, non. Bordel. C'est débile, là. Repars pas. C'est plus de la vengeance, c'est de la connerie, là. Je refuse de revivre ça. À toi de voir. Mais tu penses qu'à ta gueule là, c'est Naps, mais non. 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 Non, là, je suis pas d'accord. Ah, ça continue. Ouais, mais non, là, on va se faire éclater, on va se faire tuer, là, c'est sûr. Pourquoi t'y retournes ? Ok, Constance. Maintenant, on cherche ? On est venu ici la semaine dernière. Et dire que t'as échangé un pistolet contre cette info. C'est une piste. Ça m'étonnerait que ce type ait vu des lucioles ici. Arrête. J'ai un bon pressentiment.
Pas moi, non. Allez. Et là, c'est sûr et certain qu'Elia va se faire tuer. Elle a été épargnée deux fois. Mais putain, mais non. Bon, écoutez, on va arrêter l'épisode ici. Je suis désolé. Enfin, je suis désolé, non. Il doit être assez long. J'ai pas fait attention au timer. C'est les pères, là. Mais bref, on va s'arrêter ici. De toute façon, c'est sûr et certain, il va y avoir une confrontation. Bref, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play sur The Last of Us. Et puis, puis voilà, je m'attends pire. Bref, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Peace.